c'est la continuité. C'est le recap de fin de journée, là. Il est 16h10. Oh, un alerte. Zoominou. On se confirme le petit zoom. Il met une alerte sur Zoom à 81, on va dire 83, 85, sa résistance en haut. D'habitude, ça revient. Bon, on est en aftermarket, ça c'est du Nasdaq. Je ne m'étonnerais pas qu'on aurait un pullback. Au-dessus de la SMA 5. Je ne m'étonnerais pas qu'on va repartir. On va faire un petit tour des autres. Des titres qu'on a vus après-midi, à midi, je veux dire. Et lui, finalement, il n'a rien fait. Vous l'avez acheté, je l'ai acheté ici. 14. Je l'ai vendu. Puis vraiment, à 19, il y a un super gros vendeur. Et lui, il n'y a rien. Il y a lui. Après du temps, là, il y avait qui tasse la résistance. Là. C'était 30. Il a fait 30. Moi, j'étais 29. Parce que quand il a vu que le 29, il a passé tout d'une transaction, puis le 30 était rendu petit, il est presque. Le... Puis là, j'ai vendu. J'ai vendu. Puis après ça, je me suis remis à acheter. Comme 30 était à résistance, et je me suis mis à 31. Puis il est rentré. Celui-là. On a vendu, puis j'ai rentré tantôt avant la fermeture. Donc on espère que demain ça va y aller.
D'après moi, à l'ouverture, demain, ils vont faire un gap up. Ils vont descendre. RGBP. C'est ça, il n'y a pas eu grand fou. Après-midi, vers la fin de l'après-midi, mais ça, c'est. Une tendance baissière, pas bon. Il y a lui. Un TFM, il aurait voulu mettre un alerte là-dessus, ou à 2,50. On le met en une minute, on voit mieux. Un moment, là, on est près du 3. 3, c'est l'ancien sommet ici. Demain, on va te surveiller. On va être pas pire à surveiller. On n'est pas dans ma liste, mais là, dans ma liste. Ça fait savoir, là, il y a. Après ça, non. Non. Après, on a vu lui l'après-midi. Peut-être une poussée est revenue. On a essayé de rentrer. J'ai essayé de rentrer. Il y avait un petit gros acheteur qui montait tout le temps. Pas été capable de rentrer. Comme il aurait dû faire d'habitude, le 80 c'est à résistance. Il aurait dû mettre un achat limite à 75. C'est à peu près ces sommets-là. La patte-site serait venue le chercher. On serait rentré pour tout demain matin, une petite quantité, là, parce qu'on s'en fait journée. Il y a A, B, B. C'est quand il est à 5 minutes. Quand on inverse, il passe en dessus. Lui, il est pas pire, ce titre-là, parce qu'il fait des grands mouvements de côté. Quand il fait un mouvement, ben, il fait un mouvement de 4 cents, 4-5 cents à la fois. C'est un petit peu plus petit, là. 24 à. Ben, 24, 27, c'était 3 cents, puis ça, tu as fait un mouvement de 5 cents. Ben, ça, c'est pas grand fou. C'est de la marde. Ça, lui, on peut pas le transiger. Pas bon, pas bon, pas bon. C'est le volume. Il a fait un mouvement avec, mais si on regarde le titre, là, il a une tendance baissière. C'est pas. En journalier, c'est pas bon, pas bon. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a 3, 2, 3 titres, c'est tout. On va encore des hommes, hein, qui est rendu. Un meilleur 81 à rentrer. Tu, ça pose. Les 80. Ça revient. Ça fait tout ça, là. Même si c'est un mini titre ou un gros titre. Ça pose direct, puis ça revient. Avant de repartir. Puis 85, il y a une grosse résistance. T'as deux fois. Tu peux attendre. Le breakout du 85. On va mettre une alerte. Donc c'est 1,85. Puis là, il faut aller cocher. On est dans le tour, il faut aller ici. Et là, c'est le sommet. C'est pour ça que quand on, si on le manque, on ne peut pas prendre le titre, ils reviennent. On voit 85, c'est la grosse résistance. On va checker, on va checker le titre dans l'after. Ouais. La résistance. C'est ça, mais c'est. Oh, 48, il y a Bozav.
90 est là. Le sommet ici. Si on fait jouer des lignes. Merde, on est bossé. Ça va vite. Mais il va s'en à 4. Pas loin du 4. Ouais, il va s'en à 4. Les gros, il est là. Ouais, 199, on serait d'avoir vendu. C'est pas sûr, on serait rentré à 90, 99, out. Donc là, on a 90, 99. On a 1000. 90 $. On va devoir descendre. Sommet. La promo est à 80. 10, 87. Là, on sait que le 4, c'est la nouvelle résistance. On sait que. On a parti. Puis là, on est au-dessus. Ok, le 4 est gros. Oh, il va passer. Tu peux passer. Tout d'un coup. Un verre de jambe. Quand on passe une grosse résistance, ça revient. On va plus rentrer ici. 10, puis ça revient. C'est 84, là, ça bouffe. 4, 4, 4, 4. Ça sort de 100. Ça m'étonnerait pas qu'on reviendrait ici sur 90. Oh, 95, ça résistance. Des gros imposables. On est parti à la hausse. On aurait pu rentrer à 4 à la baisse. C'est sûr que le 90, c'est ça, mais là, tu rentres là. T'as deux fois, tu viens tout, ou tu fais une moitié, tu gardes le reste. On continue. 150 de pète, c'est ça, scalpé. Zoom, tu zoom, il est bien plus lent. Lui, il est bien plus, l'autre est bien plus rapide. C'est immune. Ça bouge vite. Hein. Elle a fait tic tic tic. On va descendre. On continue, on se met après les marches. Tu as 90. 91.
checker voir si on a un autre. Bon, ben, ça va être tout pour aujourd'hui. Si vous voulez m'encourager, le lien autour des vidéos, c'est un lien d'affiliation avec QuackStream. Ça me permet de. Ça me donne des petits montants quand quelqu'un s'inscrit. Fait que, à la prochaine. Bye!